Salut les amis, vous allez bien? Au fin fond d'une région de la forêt, d'une forêt du Cameroun, au centre, comme vous le savez, tous les Camerounais ont le virus de l'agriculture. Je suis Camerounais, vous le savez bien, hein, mon pays reste mon pays. Le Cameroun reste le Cameroun. J'ai beau aller partout dans le monde, j'ai beau visiter tous les pays de ce monde, mais je suis chez moi dans le fief. Mon fief, c'est le Cameroun. Alors j'ai dit, je ne vais pas arriver au Cameroun sans faire comme les vrais Camerounais. Tous sont devenus agriculteurs. Tous. Alors quand c'est comme ça, le virus a attrapé tout le monde. Moi aussi, ça m'a attrapé. Je suis dans la forêt en fond, et puis on va faire la visite. Je tiens à regarder cet arbre-là, magnifique. Vous savez peut-être combien de circonscriptions il a été coupé, d'ailleurs, dommage. Voilà, voilà l'exploitation du forestier. Non, non, c'est tombé tout seul. C'est tombé tout seul. Oui, regarde. Parce que vous voyez encore. Ça, oui, c'est tombé. Il est tombé tout seul. Il est tombé tout seul. C'est pas, j'avais accusé la déforestation avec les excuses, les amis. Mais voilà, on revient sur l'agriculture. Tous les Camerounais ont compris que c'est l'agriculture maintenant qui est de l'avant. Donc moi aussi, je suis. J'ai attrapé le virus. Et je suis là, je regarde, c'est juste une visite. Hein. Rien d'engagé, rien de concret. Allez, la visite continue. Oui, là on était la dernière fois. Non, la bibi, il faut. On parle pour les gâteaux. On part d'abord comme ça. On a 5 km, on est parti du Boudron. 5 km pour arriver dans les terres. Ça, c'est le prunier. Il paraît que c'est un très très bon prunier. Il est comme il est comme ok. Mais là, pour ça, village. Incroyable que tu trouvailles. Tout le monde, quand tu vois les Congolais, les 100% de Bouddha. Oui. Incroyable. Le monde est petit, hein. Petit. Ah oui. Petit avec ton chapeau comme pour Victor. La petite visite donc en marche pour aller visiter les terres. Les terres, voilà, vous avez compris, hein, le Cameroun est devenu un pays où les Camerounais ont compris qu'il faut maintenant se lancer dans l'agriculture. Donc tout le monde y est, tout le monde y est. Voilà le cas de quelqu'un qui vient de l'ouest Cameroun et qui est ici, complètement à l'opposé. Et il se sent comme chez lui, depuis 10 ans, au fin fond d'un village. Il fait la culture d'ananas, tranquille, il vit sa vie. Au milieu de la forêt, c'est des états vides, le soleil, le jour, c'est cool. Allez, expliquez ça avec vous. Non, non, c'est juste pour qu'on est étonné. Ça, c'est le café, ça. On a seulement dit que vous faites comment pour connaître la limite. Je suis né ici. On travaille, moi et mes frères. Non, non, il dort. Ah, il va au profil les voir là. Ça, c'est le café. Ça, c'est le café, ça. Et maintenant, il y a quelqu'un qui vient de me dire que j'ai une plantation de café. J'ai planté le café beaucoup par là, le café là-bas. Oui. Donc c'est ça, on marche toujours avec le bâton. En route, on ne marche jamais sans bâton. Là où on va arriver, là. Le bâton. Je pense le. De l'autre côté, on va prendre. Je vais. Voilà. C'est vraiment énorme comme arbre. Ah bon? D'accord. Ça, c'est l'arbre à eau. C'est l'eau. C'est l'eau. Incroyable. Voilà l'arbre à eau de la forêt. C'est là, c'est là. Tu vois. Eh oui, voilà l'arbre à eau. De l'eau en direct. C'est-à-dire que tu vis en campagne, dans la forêt. Si jamais tu as soif, tu coupes, tu vois. C'est ça, hein. Dieu a tout prévu, hein. De l'eau. Dieu a tout prévu, quoi. Ah ouais. Allez,
Ok, ok. D'accord, ça marche. Papa, il... S'il te plaît. D'accord. Avec ma poche là, non? Oui, avec ma poche. J'ai presque 350 mètres carrés là-bas. Tu as une porcherie ici? Oui, j'ai une porcherie. D'accord. Tu lèves les porcs. Ah. Dans les restes, il y a un sale, les porcs. C'est ça, un bout d'un. Où t'emmènes? Ah, c'est ce qu'ils sont allés faire. Ah, ah ok. Et ça, c'est un condiment. C'est un bon condiment là pour assaisonner le poisson, le poulet, oui. La viande, oui. Toutes sortes de nourriture. D'accord. Ça donne un bon parfum à la sauce. Ah oui, ouf. Ça sent très, 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 très bon. Mais il faut que ça sèche avant. Ça va sécher pendant tout. Oui. On va mettre à l'extérieur pour sécher. Bien. En soleil. Non, non, mais non, quand on va arriver. Dans la voiture. Petite concession. À la petite concession, on dit au revoir. C'est chaud. Ouh là là. Mais on met ma part là. Ma fille me donne. On est dans le vin blanc. C'est génial. C'est la vie du village. Olé, olé. Ici, là, on est sous le palmier. Sous le palmier. Sous le palmier, sous la cacaoyère. Alors là, on est la vraie vie du village. Voilà. Ouh, mais dis donc. Ça, c'est le vin de palme. Oui. Le vin de palme. Et ça, c'est vraiment l'original. Le vin de palme. Ça, c'est les vraies choses du pays. Hein. Les vraies choses. C'est comment, ancien? Quand il te voit, c'est suffisamment content. Simplement content. Lui, fait tous les travaux ici. Hein. Même toute la série, il va travailler. Vous encore quand? Ah bon, comment le bon corps s'entend dans mon corps? Il est solaire. Il est installé, il est comme un gars. Si on te dit qu'ils sont du loin. Ouais. Il connaît tout. Ça, c'est bien pour boire la tisane. Hein. Ouh, wow, merci. Bon. Merci. Mmh. Mmh. Bon. Le limon. Donc, on te paye ça. Il y en a? Oui, imagine beaucoup. Limon, oui. Mmh? Mmh. Ah bon, comment est-ce? Bene. Ça, c'est le limon. Oui. Voilà un cadeau. J'ai un petit cadeau de limon. Ouais, mais tu me dis, mais tu nous vois. Ah, mais tu. Si tu sais pas, on va plus voir le. L'autre job, tu l'as non, dit d'aller chercher. Ah, mais t'as pas le moment, tu le mont. Non, là-bas, il y a l'autre. Il y a aussi le mont. Hier, visite terminée. On va. C'est bon, hein? Ah, c'est ma qualité. C'est sucré? C'est sucré. J'espère qu'il n'y a aucun enfant derrière moi parce que l'expérience m'a manqué. Que la voiture fait chasser les enfants. Village, ça c'est bien, c'est agréable de voir le village, le vrai village. Ça c'est le café. Ok. Ouais. C'est bien, c'est agréable de voir le village comme ça. C'est ça.